L'ancienne première dame de la République a notamment donné une énième interview avec CNN, mais cette fois-ci, c'était CNN espagnol. Porte-parole la police d'Haïti, Marie-Michel Verrier, t'a dressé un bilan opération qui fait sortir le mois juillet pour arriver mois d'août 2021. Accusation de l'ULCC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vol au secours du RNDDH. Ariel Henry a eu une rencontre avec le ministre des Finances et de l'Économie, Patrick Boisvert, puis Ottawa, qui Jean Yotaka retiré pays d'Haïti dans la crise économique ça que lui a fait face depuis quelques années déjà. Notamment, nous avons un groupe Marché pour la vie, ensemble avec quelques groupes dans l'opposition politique là, qui t'a mis tête ensemble, puis ont arrivé à jouer un accord politique qui pourra combler vide ça qui gagne actuellement dans le pays. C'est entre autres information ça yo que nous portons pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui fait tomber sur chaîne, n'a mandé pour abonner. Et ou même qui t'es abonné déjà, n'a mandé pour continuer like, commenter, partager. Une façon pour qu'aller nous chercher puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que vous cliquez sur cette cloche notification. Une façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. Martin Moïse, notamment dans une énième interview que li baye ensemble avec CNN espagnol, et bien ta renouvelé ça te dit déjà qui c'est notamment li pas connait si peuple haïtien te gagne en aussi grande haine envers président républicain Jovenel Moïse juste pour ta arrivé assassiner aussi brutalement. N'a pas rappelé point déjà qui te gitan cité dans interview si la yo que Martin Moïse lui-même il te gitan accordé soit à New York Times ou bien CNN anglais déjà qui c'est notamment li pat arrivé ouais en rien que bot qui était dans pied mercenaire Silayo qui était venu assassiner président Jovenel Moïse puisque yo était déposé bot yo sous li en façon puis on t'a vérifier est-ce que oui ou non li toujours gain la vie dans li. Martin Moïse lui même il était allé plus loin pour te faire connaître que Marie il était passé vraiment deux derniers appels avant que il était arrivé perdu la ville qui c'est ensemble avec Jean Aguel Civil et puis notamment Dimitri Erreur. Et pour te sauver la vie Timounio, il était obligé de faire al cacher seul côté qui pa gen fenêtre en de kala qui c'est une douche qui donc Jomali ensemble avec Jovenel était obligé al cacher là yon façon pour yo pas arriver rejoignyo jusqu'à ce que yo ta arrivé retirer la vie en plus. Déclaration Martin Moïse même il était fait notamment dans funérail ancien président République là, c'était Mounio là yo a gardé yo a attendé et il a continué garder au danger. Yon façon notamment là pour Jovenel Moïse lui-même il t'a arrivé joindre justice. Yon mois après assassinat président Jovenel Moïse, et bien Jovenel qui c'est premier petit garçon là après déclaration que il t'ai fini faire dans funérail là font l'autre déclaration et bien pour le faire connaître que la vérité en lui-même li là et y a cherché notamment jusqu'à ce que yo arrivé joigni et Jomali lui-même bon côté parle que nous pas vraiment remarqué par rapport ensemble avec assassinat président Jovenel Moïse là et bien t'a fait déclaration partout faisant croire que notamment là la vérité a li mettre sous tête mon nan yo pral chercher là avant Martin Moïse même était volé pour les États-Unis yon façon pour l'ital prend soin et bien il était passé yon audition devant DCPJ et dossier ça lui-même qui était acheminé déjà notamment vers cabinet d'instruction. Plus de 8 jours que dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse lui-même il était déposé sous table cabinet d'instruction côté dossier ça était trop chaud pour quelques juges que tout a couru quitter. Et bien c'est juge Mathieu Chanlat qui t'a proposé tête actuellement là yon façon pour l'état travailler sous dossier assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. N'a pas rappelé que c'est juste ça lui-même qui t'a instruit de ces dermalogues, qui t'a impliqué Martin Moïse ensemble avec Joseph Eliver, ensemble avec Acolyte Lio, côté Yuri La Tortue, ensemble avec quelques autres monde qui fait connaître que c'était un dossier dermagogue au lieu de dermalogue, puisque c'était une fraude que Martin Moïse lui-même lui t'a fait ensemble avec l'organisation Fait 4 électorale. Ça. Notamment, c'est M. Satou lui-même qui te travaille sous dossier Sogénéral. Pour président Jovenel Moïse qui donc juge lui-même là il va commencer travail sur dossier assassinat ça d'une façon pour ta ouais est-ce que président Jovenel Moïse lui-même l'a arrivé joindre justice.
Porte-parole la police nationale d'Haïti à Marie-Michel Verrier dans une conférence de presse que lui arrivé hier lundi 9 d'août 2021. Eh bien, arrivé dressé bilan opération qui sorti dans le mois juillet pour arriver mois d'août 2021. Eh bien, dans le bilan, si la yon profite fait qu'on que notamment pièce à conviction dans l'assassinat ancien président de la République Jovenel Moïse, eh bien, il a transféré yon par parquet yon façon là, eh bien, pour yon ka mette yon côté pour yon continuer. Travail sous dossier. Parmi notamment pièces à conviction, ça y a gen grenade, gen cartouche, gen zam, notamment nous gagnons l'argent tout parmi pièces à conviction, ça y a et bilan opération élevé ensemble avec 44 arrestations, dont la dan yo 20 policiers. N'a botande Marie-Michel Verrier et puis n'a tourné. Procédure qui gagne rapport avec assassinat président République là, M. Jovenel Moïse. Les transférer dans le paquet tribunal première instance. Rapport ça, il y a 5 tomes et il y a un résumé de 124 pages. Et dans 4 dossiers, il y a 44 personnes qui sont arrivées interpellées. 44 personnes, il y a 18 Colombiens, mais les personnes, il y a 4 Haïtiens américains et nous avons 22 Haïtiens. Parmi 22 Haïtiens, nous avons 20 policiers. Mais toute liste, nous avons des gens qui participent. Et ça, nous avons une image de tout le monde qui est impliqué depuis en haut dans le dossier. Ça, c'est l'image, la relation qui existe entre eux, le contact qui est pris entre eux. Ça, c'est l'image qui est représentée. Nous avons quelques âmes qui arrivent transférées dans le parquet. Nous avons l'image là. Ça, c'est des âmes qui sont arrivées saisies par plusieurs personnes et dans les Colombiens. Ça, c'est toutes les âmes qui sont là. Nous avons 61, nous avons 11 fusils automatiques, 15 pistolets et 34 autres âmes de tout calibre. Nous avons M1, nous avons 12, nous avons M30. Et nous avons des gilets pare-balles et nous avons 3 grenades à fragmentation qui sont arrivées saisies. Parmi les pistolets, nous sommes là, nous avons des armes policières qui travaillent dans le jour où le président que les Colombiens sont arrivés prendre la main. Parmi les pistolets, nous sommes là. Nous avons une quantité d'argent, nous avons joint sous 3 Colombiens qui ont joint la main dans l'assassinat du président. L'argent, c'est l'argent qui a joint sous qui représentait une valeur de 40 480 $ US et 117 475 gourdes. Yo voyez tout ça yo aller dans le parquet. Voilà, notamment, c'est bilan opération qui t'a mené dans enquête pour résoudre l'assassinat qui fait sous ancien président républicain Jovenel Moïse. Dans la conférence de presse, là, Marie-Michel Verrier lui-même était allé plus loin pour te bailler résultat, et bien bilan opération qui t'a mené, sorti dans le mois juillet pour arriver mois d'août 2021, sous ça qui gagne ah ouais, ensemble avec opération bandit en dans le pays d'Haïti. Yo ta arrivé arrêté 685, 16 bandits ta arrivé tombé en babal la police, 25 moun ta arrivé perdu la vie en babal bandi, gen 8 bandits qui arrivé lynché. N'a bon tande notamment et bien bilan opération si la et puis n'a tourné. Nous gagné plusieurs cas accidents que la police arrivé enregistré. N'a pas tiré attention population pour faire en pile précaution pendant que l'autre décision qui pral prend. Il y a 25 personnes qui avaient perdu la vie dans l'accident de circulation. Il y a 29 autres qui avaient blessé. Il y a 685 personnes la police avait procédé avec arrestation. Il y a 24 armes qui avaient saisi. Il y a 12 véhicules qui saisi. Il y a 19 personnes que la police avait joint y a traversé frontière avec eux. Et il y a 11 arrestations qui avaient faites pour pendant y a traversé avec 19 timon sa yo. Gagné 16 bandits qui rivé stoppé. Gagné 8 moun qui rivé lynché. Pour activité qui gen rapport avec direction départementale Ouest 1, nan date 25 juillet, gagné arrestation Smile Paul. C'est dans Kenskov que la police rivé procéder avec arrestation monsieur ça
côté yo te joine zam la police nan men monsieur ça et yo rivé procéder avec arrestation li kon y a la répondre question la police et li gen pou li déférer la justice pour al bay plus explication pour le dire ça zam ça t'a fait nan men parce que zam ça c'était propriété police nationale d'Haïti. Gagnon Ganou Kadestin nan Christophe Chanel Kafou la police rivé procéder avec arrestation li pour même dossier ça côté aux jeunes zam la police nan men tout. Li pral gen pour répondre question la justice pour zam sa yo te jwenn nan mel et il pat gen droit pour zam sa nan mel. Genyen arrestation Jean Sylvestre Adras Camille nan date 26 juillet la police nan Léogane rive procéder avec arrestation monsieur sa. Monsieur sa yo arrêté li pour assassinat policier Kadhafi. Gen moun nan population ki dénoncé l, yo di se youn nan parmi bandi ki te rivé assassiner policier sa et la police rivé procéder avec arrestation li. Nan date 29 juillet, yo déféré nan parquet Pierre Nicholson, Jerry Géronette, Frankie Prophète, Jean-Maudler Valsin, Fritzner Jean-Louis et Willem Joseph, moun sa yo, yo te jwenn yo an flagrant délit côté yo tap détourné camion marchandise. Genyen Jerry Derilus, Edinaniel Julma, Joël Saint-Fleur, Junior Paul, Clairville Davidson, Edouard Louis-Mé. Moun sa yo, la police rive procéder à interpellation yo et yo déjà déféré nan parquet. Côté moun sa yo te impliqué nan assassinat trois policiers qui te fait nan sous-commissariat La Saline. Nous songe nan date 5 pour rive 6 juin. Te gen trois policiers qui te rive perdu la vie dans zone ça et la police possède arrestation moun sa nous sot cité là et yo déjà déféré. Genye policier BAF qui c'est brigade des affaires financières et économiques qui c'est une entité qui est dans DCPJ. Entité ça arrivé procéder à interpellation. Lema Léandre, Kersen Léandre, Basler Le Riche. Moun sa yo yo te rive dénoncé par Jean-Pierre Genel Chol qui te jwenn arrestation tout. Moun sa yo yo amuse yo acheter machine nan men moun. Et le yo fin recevoir machine sa yo bon chèque et chèque sa sans provision. Ou du moins chèque sa li ou pral tire l sou un compte qui déjà fermé. Et gen 8 plaintes qui te déjà poté pour moun sa yo, 8 propriétaires de véhicules genyen 10 millions goud que moun sa yo te gen arrivé pran nan men moun sa yo et la police rive procéder à interpellation yo y a continuer travail sur dossier pour joindre tout l'autre monde qui impliqué nan réseau ça pour dossier qui gen rapport avec direction départementale Ouest 2 genyen Wilson Joseph et Germaine Peterson deux moun sa yo yo rive procéder à interpellation yo. Moun sa yo, c'est pendant la police fait un filature, yo rive mette men sou yo parce que yo te gen formation de zak y a mené. Et le, la police rive mette men sou yo, yo joignent yon clé véhicule qui était sous monsieur sa yo. Et monsieur sa yo te rive fait connait que clé machine ça c'est pour yo, mais gen yon l'autre propriétaire véhicule qui était kidnappé et qui était rive identifié. Ma clé machine ça li dit ça c'est clé véhicule li que l'a été kidnappé là il était allé avec véhicule li et c'est sous rançon il était joindre libération nèg ça yo après répondre question la police pour capable déférer la justice pour capable dire qui ça connaît dans zak ça. Puis loin dans conférence de presse ça Marie-Michel Verrier lui-même il t'a font focus tout sous Matissan côté aimer policiers depuis 5 août yo occupé commissariat Matissan qui depuis plus de 2 mois et bien personne n'a pas ca mettre pied là-dedans et vraiment Matissan c'est une zone qui plus terrible actuellement là pour yon haïtien lui-même li t'a passé n'a pas attendre dernière partie conférence de presse ça et puis n'a tourné. Depuis plus passé deux mois avec quelques jours, il y a une violence sans pareil qui éclate dans la zone Matissan. Et violence, ça, c'est conflit d'intérêts qui cause les. Côté il y a plusieurs monde qui arrivent victimes, plusieurs monde perdu la vie. Il y a plusieurs habitants qui sont obligés de quitter la zone pour aller réfugier dans l'autre espace. Il y a un sous-commissariat dans la zone ça. Qui te subi attaque nèg avec zam.
Depuis 5 août, la police renforce sa présence dans le commissariat Matissa. Il y a des blindés qui étaient toujours à virer tout dans la zone. Sa. Et pour qu'on y ait blindé ça, ils ont renforcé. Il y a plus toujours qu'à virer monter descendre dans la zone. Sa, pour permettre à la population de vaquer à l'occupation personnelle. Il y a des opérations qui commencent à mener. Il y a une reprise de circulation qui refait. Et des maisons qui te servent cachette à des bandits que yo commencé descendre maison ça de façon pour capable permettre à population vaquer à occupation personnelle. N'a porté en précision que hier 8 août là vers 6 heures gagne un policier qui est arrivé touché par balle. Comment ça t'est arrivé fait policier ça qui t'a sorti en dedans commissariat. Il était prêt à le monter en blindé. Il était prêt à faire un échange d'armes selon la première information qui vient joindre nous. Il était prêt à échanger les armes qui sont dans la main. Et des bandits qui sont dans la cachette, sont arrivés à localiser les policiers et tirer en direction avec un M14. Les policiers ont atteint un gilet par balle. Et par ricochet, balle est arrivé blessé le bras. Depuis hier soir, les policiers ont rentré la caille, senti les stables pour qu'on y ait. Toujours les blindés qui continuent à sillonner les zones. N'a pas rappelé, PNH l'a fait tout effort, l'a déployé tout les folies pour les capables de la population en service. Pendant que l'État lui-même a fait qu'on le connaît pour les capables de permettre à la population de râler en souffle. Mais nous tous qui là, journalistes, moi-même en tant que policier, yon l'autre en tant que policier, entrepreneur, les gens qui sont leaders dans la communauté, ils sont parents, quel que soit le niveau, ils ont un apport pâle pour les poter, une contribution pâle pour les poter. Parce que nous, la population, à descendre dans ce niveau-là, nous ne pouvons pas continuer à descendre plus bas. Nous, chaque, selon nous-mêmes, pour nous parler avec la population, faire les bon côté, mauvais côté, ça l'a fait. Et bon côté pour le prendre. Pour chercher bonne direction, pour copier ce qui est bon, mais pas ce qui n'est pas bon. Parce que nous avons un pays, pour nous tous. Nous n'avons pas qu'à détruire, nous n'avons pas qu'à descendre plus bas que côté nous là. C'est peut-être ça. La police a demandé à la population de collaborer ensemble avec lui. Il n'a pas demandé à nous pour venir camper des idoles, mais pas l'information. Nous-mêmes qui avons un micro, parler avec les gens, faire un comportement pour les gens, faire des émissions. Qui est capable de porter bonne information pour la population. Pas dans voyer monter pour dire Bali, Bali Boulevard. Mais non, dis non, on nous sauve le pays. Non. C'est comme ça, on a demandé collaboration à tout le monde. Parents, si les gens qui ont pleuvé, ils ont une parole pour parler avec petit yo, pour petit yo, qui direction pour prendre. Parce que si les gens jeudi, grand monde demain. Voilà, donc c'est bilan opération sa yo qui fait notamment sorti dans mois juillet pour arriver mois d'août 2021 après rappelons que nous à peine 10 août jodia qui donc gagne l'autre bilan qui ka arrivé bay le mois lui-même li arrivé fini. Donc dossier assassinat président Jovenel Moïse là, li nan men cabinet d'instruction et notamment juge lui-même li pral commencer travail sou li. Tout ça qui gen awè ensemble avec Colombien yo, notamment gen membre nan famille Colombien sa yo qui pral forme yon délégation là qui pour rentrer dans pays d'Haïti yon façon notamment pour vin visiter moun sa yo qui nan prison depuis 7 juillet 2021. Après que la police nationale d'Haïti t'a arrivé déposer mes sous yo comme quoi yo s'est présumé assassin dans la mort ancien président républicain Jovenel Moïse mais gagne tout notamment famille trois colombiens qui était arrivé perdu la vie dans affrontement ensemble avec la police qui a participé dans délégation ça tout yon façon pour ta wè est-ce qu'il a négocier ensemble avec autorité policière pays d'Haïti yo pour ta wè est-ce que ta ka rapatrier ko Mario petit yo ou bien papa yo yon façon là pour chanter funérailles dans pays Colombie.
Premier ministre Ariel Henry lui-même qui t'a gagné une rencontre ensemble avec ministre économie et finance Patrick Boisvert, yon façon pour t'a ouais qui Jean yo t'a ka retirer pays d'Haïti dans crise économique ça que li a fait face avec depuis quelques années déjà. Et bien notamment rencontre si là il était focus sur ça qui gagne ouais ensemble avec yon budget rectificatif pour t'a réduire train de vie de l'État et que COB qui t'a supposé dépenser pour faire élection en dans pays à lui-même li pas déranger. Qu'est-ce l'État? Non, rien, c'est ça qui fait que le gouvernement lui-même, ensemble avec toute la présidence, demande notamment un bien pour tout ancien ministre, ancien employé qui travaille notamment comme conseiller président Jovenel Moïse encore pour apporter tout matériel qui n'a même pas une façon pour l'État lui-même li ka continuer. Gagner un train de vie qui normal et on te focus tout sur crise alimentaire ça qui touchait environ 4.4 millions haïtiens dans année 2021 qui donc yo continue à travailler là une façon pour ta wè qui j'en ta retirer pays d'Haïti dans sa lié actuellement là mais surtout yo continue à travailler sous cause sécurité ya. Et Ariel Henry lui-même bon côté parle ta promettre que sous peu sécurité à lui-même li gagner pour lui retourner dans pays ya. USCC qui t'a arrivé accusé Pierre Espérance comme quoi li t'a fait corruption ensemble avec l'agent BMPAD que notamment yo t'a investi dans RNDDH dans octobre 2016. Et bien selon USCC Pierre Espérance t'a utilisé yo parti dans l'agent ça pour régler les affaires personnelles dont yo 40 000 goud qui t'a servi ensemble avec Visa et puis ouvert carte de crédit Pierre Espérance. Et bien sous lancé ça la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'a volé au secours de RNDDH pour faire connaître que notamment il y a une très bonne gestion qui était faite ensemble avec fonds de subvention ça que BMPAD lui-même li te bay RNDDH dans année 2016 il fait connaître que fonds ça lui-même il était servi ensemble avec observation électorale il était servi avec déplacement il était servi ensemble avec assistance qui donc 1 600 000 gouttes ça il t'a dépensé jusqu'au dernier centime dans ça qui gain à ouais ensemble avec l'État haïtien. Notamment, nous gagnons Alexia Latortue, que président Joe Biden lui-même lui envisageait nommer comme assistant secrétaire au département du Trésor pour les marchés internationaux et politiques d'investissement. N'a pas qu'on est que Alexia Latortue lui-même lui c'est petite fille ancien premier ministre pays d'Haïtien, Gérard Latortue. C'est toute information, ça a aucun dépoté pour aujourd'hui, hein. Merci d'être continué like, commenter, partager, et merci d'être continué inviter en famille ou à qui on amis ou rester connecté avec chaîne, puis au bon information. Nous ba rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.